je suis avec le confrère Paolo Romani dans le bureau de Maria Francesca Spatolizano, ambassadrice, chef de la délégation de l'Union européenne auprès de l'OCDE et de l'UNESCO, c'est-à-dire de ces grands organismes internationaux opérant à Paris, qui sont le fruit d'une collaboration entre différents pays européens et aussi extra-européens. Maria Francesca Spatolizano ne provient pas d'une carrière diplomatique italienne. Elle a travaillé pendant plusieurs années à Bruxelles et donc elle provient d'une carrière européenne. Alors, la première question qui me vient à l'esprit concerne son parcours, son itinéraire d'italienne au sein des institutions européennes. Merci beaucoup, cher Michel. J'ai beaucoup de plaisir à répondre à cette question. J'ai commencé ma carrière de fonctionnaire européen en 1985, ça fait presque 30 ans. Et dans ces 30 ans, évidemment, il y a eu une évolution incroyable de l'Union européenne, qui était à l'époque la communauté européenne, mais aussi de la présence italienne au sein des institutions. Quand je suis allée à Bruxelles, faire ce choix, disons, de se déplacer pour aller travailler en Belgique était un peu un choix exotique pour les Italiens qui m'entouraient. C'était assez bizarre. J'avais d'ailleurs une profession en Italie, c'est pas que je n'avais rien qui me retenait. Donc j'étais à l'époque chercheur à l'Université de Florence, je fais le droit. Et c'était donc encore plus curieux que je choisisse de m'éloigner. Mais je ne le regrette pas, j'avoue, tout en aimant beaucoup la recherche et la carrière universitaire, j'ai trouvé des horizons plus vastes, évidemment, et aussi une motivation énorme à travailler dans les institutions européennes. Oui, c'est vrai que depuis lors, l'Europe, la construction européenne, a accompli des progrès très important. Remarquable, en effet. Avec des hauts et des bas, faut bien le dire, ça n'a pas été et ça ne sera jamais une chose facile, mais l'intégration européenne a progressé énormément ces 30 années. Non seulement dans le nombre des pays qui participent, il y a 12, eu un élargissement considérable. Et qui sont plus que le double, 28 avec la Croatie et donc... L'extension, simplement l'extension, est un fait en soi qui pose de nouvelles questions et demande des solutions appropriées, mais aussi les ambitions. Il faut bien le reconnaître, avec le traité de Lisbonne, on a voulu s'intégrer encore plus, créer un système européen de diplomatie dont je suis heureuse de participer. Et donc créer encore plus les bases pour une action conjointe de l'Union européenne dans le monde. Mais alors, votre rôle est équivalent à celui des ambassadeurs de différents pays auprès de l'UNESCO et auprès de l'OCDE. C'est à peu près le même rôle que vous avez. En effet, oui, je suis un ambassadeur, j'ai présenté mes lettres de créance, comme tout ambassadeur qui se doit. Mais d'autre part, je ne représente pas un État, et donc en représentant une institution comme l'Union européenne, du point de vue juridique, si vous voulez, nous ne sommes pas des membres en tant que tels des institutions, des organismes internationaux, mais des observateurs, avec des pouvoirs... plus ou moins poussée d'action à l'intérieur de cet organisme, que ce soit l'OCDE ou l'UNESCO. Les deux organisations sont assez différentes et notre rôle à l'intérieur est réglé de manière différente. Mais nous sommes quand même, en tant qu'Union européenne, une force, je dirais, à l'intérieur de ces organisations internationales. Surtout, nous avons l'influence que nos membres, quand ils sont unis, peuvent évidemment grouper et faire valoir. Et ça permet parfois de faire avancer les choses très positivement. Mais alors, donc, comme pour les ambassadeurs des autres pays, de différentes nations, leur
disons supérieur, pas hiérarchique, mais direct, est le ministre des Affaires étrangères de chaque pays, n'est-ce pas ? Vous, votre supérieur, c'est le chargé des affaires étrangères au sein de la communauté européenne, c'est-à-dire Madame Mogherini. Tout à fait, moi je suis... Et donc deux Italiennes, c'est ça qui est si très intéressant, oui. N'est-ce pas ? Oui. Tout à fait vrai. Le haut représentant, Madame Mogherini, est mon supérieur direct et je réponds à elle comme tout chef de délégation de l'Union européenne, avec d'ailleurs des rapports réguliers et des instructions que nous recevons en échange. C'est un grand plaisir. Je vous cache pas le fait que le haut représentant soit une femme et que ce soit italienne. Avant, il y avait aussi une femme, Madame Ashton. Mmh. Donc, il semblerait que les relations extérieures de l'Union soient dans les mains des femmes. Ce n'est pas plus mal pour cela. La parité avance à grands pas, n'est-ce pas ? Oui. Maintenant, il ne faut pas trop se réjouir dans ce sens que nous sommes quand même, en tant que chef de délégation, encore pas très nombreuses dans le monde, sur 140 délégations à peu près que compte l'Union européenne. Nous avons un quart, grosso modo, de femmes à la tête de ces délégations. Donc, ce n'est pas vraiment un chiffre énorme, mais ça a progressé. Et donc, c'est la tendance qui compte, je dirais, et qui certainement va continuer. Mais d'autant qu'on ne peut pas nommer pour des postes de responsabilité des personnes qui n'aient pas les compétences nécessaires. Donc, il est logique qu'il y ait une certaine gradualité dans ce processus d'égalisation des chances entre les hommes et les femmes. Donc, je crois que cela correspond à une logique opérationnelle. Tout à fait. Le premier critère reste le mérite, donc la capacité de faire le travail qui est demandé par la fonction. Mais je pense qu'à l'intérieur des institutions et des services diplomatiques nationaux, il y a pas mal de femmes qui peuvent avoir cette ambition. Je les encourage d'ailleurs, parce que c'est seulement si on se présente et on essaye qu'on obtiendra quelque chose. Donc, toutes les femmes qui ont cette préparation, et il y en a, je pense, ont des chances de le faire. Comme dans toute profession, il faut effectivement être préparé pour le poste. Il y a un autre aspect intéressant, c'est-à-dire que la politique étrangère de l'Union européenne devient de quelque chose de plus en plus concret. Oui. Non seulement sur le plan des grands sujets internationaux, mais aussi, par exemple, dans la gestion des relations avec l'OCDE et l'UNESCO. Tout à fait. Nous avons comme méthode de travail communautaire celle d'avoir des coordinations régulières avec les États membres qui forment l'Union européenne. Et sur cette base, sur base des décisions du Conseil à Bruxelles, nous prenons des positions communes. Nous faisons des déclarations communes en tant qu'Union européenne et donc cela permet effectivement de faire valoir encore plus les idées que les Européens, les intérêts que les Européennes décident de promouvoir. Je me souviens par exemple de l'époque où les États-Unis avaient quitté l'UNESCO. Ah, oui. Et alors, à cette époque-là, l'attitude des Européens n'avait pas été harmonieuse parce qu'il y avait d'un côté les Anglais qui étaient plutôt du côté des Américains et il y avait le noyau de ce qu'on appelait à l'époque le tandem franco-allemand qui avait une attitude définie à l'époque comme plutôt tiers-mondiste. Enfin, donc tout cela, ce sont des polémiques qui appartiennent au passé. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, l'Europe se présente face à l'UNESCO avec une seule voix, finalement. Oui, il est tout à fait vrai. Nous avons des cas concrets, par exemple la crise ukrainienne en Crimée, où nous avons, en tant qu'Union européenne, maintenu une position commune. Autre sujet d'actualité,
la protection du patrimoine culturel en train d'être détruit par des extrémistes dans des pays arabes. Là aussi, l'Union agit souvent comme un seul homme, si j'ose dire, en donnant... Ou une seule femme. Une seule femme. éventuellement. Pour ne pas quitter notre sujet de tout à l'heure. Tout à fait. Et donc, nous soutenons des projets que l'UNESCO exécute de protection du patrimoine, de mappage, si on peut dire, de repérage des artefacts qui seraient en danger, et ainsi de suite, de mise en réseau des directeurs des musées, des lieux en danger. Donc il y a pas mal d'actions qui sont conjointes et que nous soutenons ensemble à l'UNESCO, par exemple. Alors, dans votre mission auprès de l'UNESCO et auprès de l'OCDE, vous avez, si je peux me permettre, un double regard, un regard d'européenne et un regard d'italienne. Est-ce que vous arrivez facilement à concilier ces deux regards ? Ah, ça c'est une très bonne question. Par définition, je dois dire, et par devoir statutaire, le fonctionnaire européen est indépendant des instructions du gouvernement du pays d'origine. Oui. Donc, nous sommes tenus à une bonne distance, mais évidemment, on amène avec nous notre formation, voilà, notre culture, notre capacité de réaction, de solution, et en cela, oui, je reste italienne par beaucoup d'éléments, disons, qui peuvent transparaître de la façon de se conduire. Et d'ailleurs, j'en suis très fière. Ce n'est pas... chacun de nous a ses nationalités, ses qualités, ses défauts nationaux. Et nous, ce qui est bien, c'est de les faire valoir de manière positive, harmonieuse, de sorte de construire ensemble avec les collègues des autres nationalités cette grande aventure. D'ailleurs, l'Italie est un pays important et au sein de l'OCDE et au sein de l'UNESCO. C'est-à-dire parce que nous, les Italiens, avons cette tendance un peu d'auto-dénigration systématique, mais au fait, l'Italie, dans ces deux grands organismes prestigieux, joue un rôle extrêmement important. Absolument, absolument, tout à fait vrai. Et à l'UNESCO, nous sommes parmi les pays, si pas le pays, qui a le plus de sites dans la liste du patrimoine mondial, le numéro 1 comme nombre de sites faisant partie du patrimoine de l'humanité. Ouais. Et aussi, la délégation italienne est en première ligne en ce qui concerne la lutte contre les trafics illicites, par exemple, des biens culturels, très importants en ce moment, et plein d'autres activités. Donc c'est un pays important, un pays respecté, un pays actif. Également à l'OCDE, il y a énormément d'actions, de politiques qui sont promues par l'Italie. C'est de hier, par exemple, une réunion qu'on a eue concernant un centre qui siège à Trento sur les petites et moyennes entreprises et la capacité d'être entrepreneur, qui est animée justement par un directeur de l'OCDE qui est italien, et ainsi de suite. Je pourrais continuer, il y a plein de Nous avons personne en Italie en ce moment un ministre de l'économie et des finances, M. Padoan, qui est ancien économiste de l'OCDE, n'est-ce pas ? Tout à fait, économiste en chef et secrétaire général adjoint. J'ai eu le plaisir de travailler avec lui jusqu'à quand il est parti en Italie. Et l'Italie est, je crois, bien servie d'avoir ses qualités en tant que ministre. Mais il a été effectivement à l'OCDE pendant des années. Oui. Donc il y a plein, effectivement, d'excellents Italiens qui travaillent dans les organismes. Mais je dirais l'Italie est aussi importante dans l'Union européenne. Il faut bien rappeler, non seulement en tant qu'État fondateur, mais en tant qu'État qui a toujours été très pro-européenne, qui a toujours compris l'importance de l'intégration européenne et qui a toujours donné des fonctionnaires d'excellente qualité. Je ne dirais pas le dire moi-même, mais je me souviens, quand je suis arrivée à Bruxelles, d'avoir été accueillie par des collègues qui étaient là depuis quelques années, d'excellente qualité, qui m'ont tout appris, on peut dire. Et c'était encore quelqu'un, enfin certains d'entre eux étaient ceux qui avaient commencé, qui avaient vraiment ouvert
l'Union européenne, quand il y avait très peu de monde et c'était une idée de très peu de gens. Et il me racontait des anecdotes très sympathiques. Par exemple, il fallait acheter les premières voitures de service de la Commission. Et qu'est-ce qu'on faisait? Il n'y avait pas les appels d'offres. On achetait une Allemande, une Française et une Italienne, et ainsi de suite. Donc, dès le début, il y avait participation importante des Italiens. Sans oublier que l'actuel président de la Banque centrale européenne est un Italien. Donc, là aussi, il s'agit d'un poste clé, surtout dans une phase historique où l'économie prend souvent le dessus sur des autres, sur d'autres aspects de la vie internationale. Donc, voilà. Finalement, pour conclure, alors, quel est votre sentiment au sujet de cette expérience à Paris, à la tête de la délégation européenne auprès de l'OCDE et de l'UNESCO? Je crois que c'est une des expériences plus enrichissantes que je pouvais espérer avoir, non seulement parce que les deux organisations sont différentes et couvrent donc toute la palette des sujets importants aujourd'hui, politiques, économiques, mais aussi parce que c'est Paris, évidemment, qui a son charme, et aussi parce que ça m'a permis d'améliorer, disons, un réseau de contacts très ouvert et ma compréhension du fait qu'il faut toujours rester ouvert, rester capable de trouver des solutions. Les problèmes sont très complexes de nos jours. Et ayant côtoyé tant de gens différents, de diplomates, de chercheurs, je comprends que toute solution doit être cherchée ensemble avec les autres, mais aussi il ne faut pas se dire que ça sera pour toujours. Il faut rester ouvert, il faut rester flexible et évoluer avec les problèmes de notre époque. Grazie Maria Francesca Spatolizano. Grazie. Merci. A voi. Merci. Grazie. Beaucoup.